Donc, au niveau de la télécommande, on va se retrouver avec les fonctionnalités suivantes. Donc, je vais placer la télécommande bien ici. Donc là, pour l'allumer, ce que je fais, là, je ne la branche pas directement sur le slider pour pouvoir bien vous montrer les différentes fonctionnalités. Je l'alimente directement en 5 volts par prise USB. Donc, on arrive sur le menu principal, bentech.fr, hein, le nom de mon blog. Il fallait bien que je place ma petite pub quelque part. Ensuite, slider cam V1, c'est parti, touche droite. Donc en fait, j'ai décomposé ça en 10 menus, en 10 sous-programmes. Donc là, on peut retrouver, quand on va à droite, vitesse manu par bouton, donc contrôle via les boutons. Vitesse manu, donc là, on va contrôler la vitesse manuellement sur le slider via le pad, juste ici. Ensuite, réglage de l'accélération, réglage de la vitesse programme. Donc en fait, ça, ce sont deux paramètres. Donc il y a réglage vitesse prog et réglage accélération. Ce sont deux paramètres très importants qui va vous servir avec la librairie Axel Stepper. Donc je m'explique, dans la librairie Axel Stepper, il y a les fonctions qui s'appellent Move To ou Move ou quelque chose comme ça. Je les ai plus trop en tête. Qui vont vous permettre d'aller à un point A à un point B. Donc de dire de combien de nombre de pas vous voulez que votre moteur il avance ou il recule. Sauf que votre chariot, il va avancer avec une certaine vitesse. Et ça, on le règle grâce à réglage vitesse prog. Donc il y a une variable dans le programme, il y a une variable dans la librairie qui définit la vitesse maximale. C'est-à-dire que votre slider, il va accélérer avec une certaine courbe d'accélération, arriver à sa vitesse maximale. Il se peut que si les deux points sont trop proches, il n'arrive jamais à cette vitesse max. Et ensuite, il va redescendre pour décélérer et arriver en point B. D'où le réglage accélération et vitesse programme. Ensuite, on a une fonctionnalité origine auto. Parce que oui, à un moment donné, il faut se positionner sur le slider. Donc, origine auto pour pouvoir positionner directement. Donc là, grosso modo, ce que fait le programme, c'est qu'en fait, je lui ai demandé d'aller à un des fins de course. Il va au premier fin de course, il tape dedans. Il va dans le deuxième fin de course, il tape dedans. Il a la longueur du slider, et ensuite il vient se positionner à l'origine que je définis au centre. Et ensuite, tout le positionnement sur le slider va se faire vis-à-vis de cette position centrale. Donc je saurai le nombre de pas qu'il y a à droite, et je saurai le nombre de pas qu'il y a à gauche. Et je pourrai faire mes différents déplacements vis-à-vis de ça. Donc là, définir position. Donc une fois que j'ai défini mon origine auto, je peux définir une position, c'est-à-dire oui, je veux que tu ailles dans cette position. Donc en fait, le chariot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se positionner au fin de course le plus proche et il va aller dans la position voulue, tout simplement. Ensuite, contrôle par série. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas développée. Donc c'est une fonctionnalité qui permet justement de contrôler tout ça via le câble USB. Donc en fait, si vous avez un PC branché, vous pouvez envoyer des commandes. Bon après, voilà, toutes les commandes sont encore à développer derrière. Mais vous pourrez faire des tests sur votre slider très facilement grâce à cette fonctionnalité que j'ai laissée totalement libre. Donc ceux qui veulent développer, vous avez le guide qui est en description. Donc la fonction test permet de tester différents fins de course. Permet de tester la réaction des différents fins de course et la réaction des différents boutons pour voir si tout fonctionne bien. Ensuite, un mode programme avec plusieurs programmes définis. Donc je vais rentrer dedans. Donc en continu, ça veut dire que il s'en fout de l'accélération, ça veut dire que là, je lui ai donné une accélération infinie, il va aller du point A au point B avec une vitesse continue du point A au point B. Ensuite, courbe de Gauss croissante, donc en fait, il va accélérer jusqu'à sa vitesse max et il va décélérer pour arriver jusqu'au point. Donc ça crée une courbe de Gauss croissante. Ensuite, courbe de Gauss décroissante, donc ça c'est une fonctionnalité que j'ai pas pu développer parce qu'il prend pas les accélérations négatives et que j'ai pas réussi à faire, donc s'il y en a un d'entre vous qui arrive à faire ça avec la librairie Axel Stepper, je suis preneur. Ensuite, linéaire croissante. Donc là, on accélère petit à petit jusqu'à arriver au point. Et bien sûr, j'ai fait la linéaire décroissante
où on décélère petit à petit jusqu'au point. Donc en fait, au début, c'est très rapide et ça décélère au fur et à mesure pour arriver jusqu'au point. Donc tout ça pour faire différents effets de slide. Ensuite, si on revient au menu, on a un petit truc crédit avec encore midnight.fr et là, une note de version 1.2. Bien entendu, il y avait des dizaines de versions, mais voilà, je ne l'ai pas incrémenté à chaque fois. Donc voilà pour les différentes fonctionnalités. J'espère qu'il m'a tout enregistré. Et c'est qu'il m'a tout enregistré. Alors pour la petite info, j'ai un petit truc pour tenir la caméra. Je suis en train de filmer juste ici avec mon Galaxy S8. Voilà. Donc, on se retrouve sur le programme Arduino. Alors, pour ce programme, j'ai utilisé trois librairies. La première, c'est la librairie AccessStepper, que vous trouverez sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description de cette librairie. Cette librairie permet tout simplement de piloter n'importe quel moteur pas à pas. Donc, que ce soit un moteur 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Ensuite, il y a la librairie Liquid Crystal, donc celle-là, elle est déjà incluse dans Arduino. Pareil pour la librairie EEPROM. Donc la librairie EEPROM, je l'utilise uniquement pour sauvegarder certains paramètres et certaines variables, comme les variables d'accélération et de vitesse. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours sur comment programmer en Arduino. Je ne vais pas non plus vous faire un cours sur comment utiliser la librairie Liquid Crystal ou la librairie EEPROM. Il y a des tas d'informations sur Internet et des tutos qui sont dédiés. Aujourd'hui, je vais plus rentrer dans les détails de comment j'ai programmé les différents menus, comment j'ai programmé les différentes boucles, comment j'ai fait appel à différents sous-programmes. Donc vraiment, sous-programme, je vais le laisser entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la bonne dénomination. En fait, ça va juste être une... Je vais juste vous montrer l'organisation de mon programme sur Arduino et qu'est-ce que j'en ai tiré de bon et pourquoi c'est une bonne manière de prototyper très rapidement des fonctionnalités pour un projet comme celui-ci. Et on va bien entendu parler un tout petit peu de la librairie AccessStepper, mais voilà, j'en ai surtout beaucoup appris en lisant la documentation de cette librairie. Donc voilà, on va faire un tour de tout ça dans cette vidéo. Donc pour la partie slider, donc en fait là vous voyez j'ai plusieurs onglets. Alors pourquoi j'ai plusieurs onglets? Parce que mon programme devenait interminable. Et je cherchais un moyen pour pouvoir lancer facilement des sous-fonctions. Sachant que ces différentes fonctions n'ont pas les mêmes paramètres. Je m'explique. Par rapport aux boutons, par exemple, les boutons n'auront pas les mêmes fonctions derrière ces paramètres. Il y aura des fonctions différentes qui seront lancées par l'action des différents boutons selon le menu où on se trouve et selon le sous-programme où on se trouve. Donc j'ai pas pu faire de fonctions génériques ou de classes génériques. Donc c'est pour ça que la partie développement orienté objet, j'ai très vite abandonné parce que c'était pas la solution à mon problème. Que je rappelle qu'on est sur un microcontrôleur, que nos fonctions sont relativement simples, hein, on doit juste déplacer un chariot d'un point A à un point B, donc il n'y a pas besoin non plus de chercher hyper compliqué. Et les différentes fonctions nous permettent d'ajuster les variables et les paramètres autour de la librairie AccessStepper. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on greffe toute une partie utilisateur sur une librairie pour pouvoir la piloter. Et cette librairie, derrière, va piloter notre moteur. Donc voilà. Alors comment je me suis organisé? C'est ces différents onglets. Vous pouvez voir définition position, origine auto, programme, réglage accélération, réglage vitesse prog, test, vitesse manu bouton, vitesse manu pad. Ce sont les fonctions qu'on retrouve également sur la télécommande. Donc, pour comprendre tout ça, il y a un truc bien sympa. Donc là, il y a pas mal de fonctions de base en fait, que j'ai développées ici dans le fichier de base. Hein, slider V2, c'est vraiment le fichier de base où vous retrouvez la fonction setup et la fonction loop qui normalement doit être un peu plus bas. Voilà la fonction loop. Et comme vous pouvez le voir, la fonction loop, elle n'est pas très très grande.
Voilà. Ça, c'est ma fonction loop. Donc si je dézoome, ma fonction loop représente ça. Donc grosso modo, il y a deux switch cases imbriqués l'un dans l'autre. Hein. C'est vraiment tout bête. Alors la fonction loop, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la fonction qui va tout le temps reboucler sur elle-même. Au début dans votre programme Arduino. Je vais juste faire une compilation pour voir, pour vous montrer que bah, ça marche. Que ça compile. Après, c'est pas parce que ça compile que ça fonctionne. Attention. Donc, voilà. Ça compile, nickel. Donc, ici, on se retrouve dans la fonction loop. Donc ici, on a les variables LCD qui vont nous permettre justement de, bah, de cliquer sur les différents boutons et de pas avoir de... Si, par exemple, si on reste appuyé trop longtemps, bah, il va relancer plusieurs fois la fonction. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un appui, on veut capter le front montant et il rentre dans la fonction. Donc pour ça, on utilise justement... Bah, cette petite parade avec le if LCD key pas égal à mémoire bouton. Donc en fait, je l'ai même écrit en commentaire. C'est assez rare que je mette des commentaires. Mais si le bouton a un état différent de celui enregistré et que cet état est appuyé, bah là, on rentre dans la fonction, on le prend en compte. Et ensuite, je fais un switch sur quel bouton a été utilisé. Donc bouton up, bouton down, left, right. Donc c'est les boutons de la télécommande. Et on peut voir que bah, bouton left et right, on avance dans le menu. Donc j'ai une variable level menu qui me dit où j'en suis dans le menu. Si je suis au menu numéro 1, numéro 2, numéro 3, à quelle position je me situe dans le menu. Et ensuite, tout se passe dans le bouton select. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le bouton select, lui, il va vouloir rentrer selon le menu où il est. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 10, hein, puisque j'ai dit menu. Selon le menu, il va lancer une fonction. Et c'est là où mon programme, il aurait pu faire 1500 lignes. Et être totalement désorganisé, et j'aurais pu utiliser ma molette de souris comme jamais, et l'user aussi comme jamais, parce que se retrouver dans un programme très long, qui s'étale comme ça, c'est pas très évident pour programmer, pour s'y retrouver, pour programmer, pour s'y retrouver, et pour y revenir. Donc c'est pour ça que j'ai agi comme ceci. Et ces fonctionnalités ne sont pas dans le fichier. Donc ces différentes fonctions là qui sont lancées ne sont pas dans ce premier fichier. Donc on va aller sur le premier cas, vitesse manu bouton. Donc c'est là où je pilote manuellement grâce au bouton de la télécommande. Donc je peux avancer la vitesse de soit de 10, soit de 100. Et pareil, je peux faire diminuer la vitesse soit de 10, soit de 100 à chaque fois. Donc c'est des incréments ou des décréments. Donc vitesse manu bouton. Là, j'ai un onglet qui s'appelle vitesse manu bouton, qui est exactement un fichier ino, je crois. Donc, c'est vraiment un fichier Arduino, hein, standard. Et là, j'ai deux fonctions. J'ai vitesse refresh vitesse manu bouton, le refresh vitesse manu bouton, voilà, et le vitesse manu bouton. Donc ça, c'est une fonction que j'utilise dans vitesse manu bouton, le refresh vitesse manu. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'il y a une phase d'initialisation. Au début. Donc il va nettoyer tout ce qui est écrit à l'écran pour écrire le petit message que je mets avant d'entrer dans une fonction. Donc la vitesse va être le bouton, utiliser les flèches pour la vitesse et le carré, donc le bouton select pour revenir à 0. Au bout de 1500 millisecondes, il renettoie l'écran et dit voilà, vitesse du bouton et maintenant vas-y, fais ce que tu veux. Et là, très important, à un moment donné, il y a une variable ici qui s'appelle la variable token. Donc, la variable token qu'on retrouve dans le fichier original qui a été créé quelque part ici. Voilà. Ici, le booléen token mis à faux. Et en fait, ce token, il va vous permettre une chose qui est plutôt cool, plutôt top. C'est de vous dire... Donc un token en français, c'est un jeton. Et le jeton, il va vous dire, je suis rentré dans un sous-programme où je ne suis pas rentré dans un sous-programme. C'est-à-dire si le jeton il est à trou, donc si le jeton il est pris, il est vrai, ça veut dire qu'on va être dans un sous-programme. Si le jeton il est faux, ça veut dire qu'on est dans le menu principal. Et c'est avec ça que je joue en fait. C'est-à-dire que après j'ai une boucle while, donc c'est nouveau une boucle loop, hein, c'est une seconde boucle loop, donc ça agit comme une boucle loop.
standard d'Arduino, donc c'est une boucle dans une boucle, tant que le token il est à trou. Donc là, tu fais ta vitesse, tu as les différents boutons, les différentes actions, donc c'est vraiment comme un deuxième programme, donc c'est un sous-programme. Et ensuite, la condition pour sortir, c'est de remettre le token à false. Et la seule condition pour sortir, c'est d'appuyer sur le bouton select quand la vitesse elle est à 0. Donc voilà. Et quand c'est à false, bah je reviens au programme principal. C'est très simple d'utilisation, et puis si vous faites token 1, token 2, vous pouvez même rentrer dans des sous-programmes. Et c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour pouvoir développer un menu avec des sous-menus et des sous-fonctionnalités. Et l'avantage aussi, c'est que ça me permettait de me retrouver très facilement dans le programme sans impacter le reste du programme. C'est-à-dire que je pouvais toucher une fonctionnalité dans un coin sans impacter le reste du programme ou le reste des fonctionnalités. Donc au niveau de la librairie Axel Stepper, je vais passer vite fait sur cette librairie parce que vraiment la documentation elle est ultra complète. Il faut retenir deux choses, c'est-à-dire que la librairie permet de contrôler le moteur de deux manières différentes. La première manière, c'est vous contrôler la vitesse du moteur. Tout bonnement, vous lui dites, vous allez à cette vitesse-là. Donc voilà, si la vitesse est à 0, donc là, il y a une pin en fait, qui vous permet, sur le shield, d'activer ou pas le moteur. Donc ça permet de réduire la consommation globale du montage, dire que voilà, quand j'utilise pas le moteur, bah, tu ne l'alimentes pas, tu coupes le courant envoyé au moteur. Donc même s'il y a quelques milliampères qui sont perdus, dans la bobine du moteur, bah là vous coupez, donc c'est un relais qui vient couper l'alimentation du moteur, donc vous êtes sûr qu'il n'est pas alimenté. Donc si la vitesse est à 0, bah tu coupes complètement la ligne et il n'y a pas de souci. Par contre si la vitesse n'est pas à 0, bah là tu laisses l'alimentation ouverte. Donc voilà. Et ensuite, il y a le set speed qui vous permet justement de régler la vitesse. La première manière de contrôler la vitesse du shield moteur, c'est de lui dire, voilà, au chariot, tu vas à telle vitesse. Donc il ne cherche pas à comprendre, il va directement atteindre la vitesse de pointe. Il va aller à gauche, droite. C'est ce que j'utilise dans vitesse menu bouton et dans vitesse menu pad. J'utilise cette fonctionnalité-là. Ensuite, la deuxième solution de piloter le shield, de piloter le moteur, c'est de lui dire, t'avances de temps et temps de pas. Donc ça, c'est la deuxième manière de contrôler un moteur pas à pas. Et pour cela, il aura besoin de plusieurs choses. Déjà la vitesse maximale à laquelle il doit aller, parce qu'en fait vous allez dire ouais tu avances par exemple de 500 pas, donc il va avancer le moteur il va avancer de 500 pas, votre chariot il va avancer de 500 pas. Bon il sait pas à quelle vitesse il doit aller, lui ce qu'il veut c'est aller du point A au point B. Et pour ce faire on va lui donner deux paramètres. Le premier paramètre ça va être la vitesse maximale qu'il pourra atteindre, et la deuxième ça va être l'accélération. C'est-à-dire que pour arriver du point A au point B, la vitesse elle va faire comme ça. Elle va monter. Si elle a le temps, elle va atteindre la vitesse maximale. Elle va stabiliser la vitesse maximale. Et ensuite, la vitesse va décélérer avec la même décélération pour arriver au point B. Donc là, c'est exactement la même chose, hein. Donc vous définissez une vitesse max, une accélération max, et vous lui dites, vous allez à cette position. Moi j'en ai fait deux, hein, donc je me suis fait une fonction aller A. Donc qui permet d'aller à la position voulue. Et je me suis fait une deuxième fonction aller A qui permet d'aller à la position voulue avec telle vitesse ou telle accélération. Donc voilà, j'ai fait une fonction qu'on appelle une fonction qui est surchargée. Mais grosso modo, c'est ça. Soit vous réglez la vitesse, soit vous réglez la position. Après, pour connaître la position, on va aller dans Origin Auto. Alors Origin Auto, c'est le petit programme que j'ai fait qui permet justement de calibrer la position et le nombre de pas et où est-ce qu'on se trouve sur le rail. Alors, là je vais pas rentrer dans les détails du programme, on va juste lire un peu les différentes étapes. Donc là j'ai ma séquence Origin Auto qui commence. Le premier truc c'est se déplacer vers un fin de course. Pour dire voilà on est à un bout du slider. Donc là il se déplace vers le premier fin de course. Ensuite, il regarde quelle fin de course est touchée en premier. Si c'est le fin de course FC1 ou FC2. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'on a monté les fins de course dans un sens ou dans l'autre, on sait pas exactement dans quel sens on est. Donc tu vas d'un côté, tu regardes si tu touches le 1 ou le 2. Et à partir de ce moment-là, tu initialises ta mise à l'origine.
Donc ta position, à partir de ce moment-là, ça sera la position 0. C'est-à-dire que ce fin de course-là, c'est ta position 0. Et ensuite, tu te déplaces vers l'autre fin de course. Donc il se déplace de l'autre côté pour atteindre le second fin de course. Une fois qu'il est touché, c'est ta position max. Et en fait, ta position 0 jusqu'au deuxième fin de course, ça te fait ta longueur. Donc tu connais ta longueur en pas. Donc tu connais vraiment la. Donc à partir de ce moment-là, tu connais la longueur de ton slider en nombre de pas moteur. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'en fait, mon origine, je la voulais au milieu. Ce que je fais, c'est que je sauvegarde la longueur. Ensuite, je calcule le milieu, donc c'est ma longueur divisée par 2. Je m'y dirige, et là, je refais un set origine pour définir l'origine à 0. Et ensuite, j'ai ma position min, donc c'est le nombre de pas divisé par 2, et j'ai ma position max, qui est moins le nombre de pas divisé par 2. Alors, le plus moins, c'est variable. Faut qu'il y en ait au moins un qui soit plus, l'autre qui soit moins. Ça dépend après dans quel sens vous vous situez et de quel côté vous vous situez par rapport au slider. Vous avez votre origine et vous avez vos différentes positions. Et après, libre à vous d'utiliser les fonctions pour aller d'un côté ou aller de l'autre côté. En utilisant, comme je l'ai fait ici, donc stepper move to position. Et tant que la position courante n'est pas égale à la position voulue, bah, vous continuez d'avancer avec le moteur. Donc ça, c'était vraiment la petite explication de la librairie Axel Stepper qui est vraiment très complète. Voilà. Et voilà qui clôt ce projet Slider. Slider créé en 3D, automatisé par mes soins, programmé par mes soins. Je remercie encore une nouvelle fois Conrad et Fil Imprimante 3D de m'avoir aidé dans ce projet pour mener à bien ce projet. Voilà, il m'a quasiment rien coûté ce projet, donc c'était vraiment très très bien. À faire et j'ai appris énormément de choses, donc je les remercie énormément pour ça. Et voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, ce type de vidéo, je vous invite à aimer ces vidéos et à les partager si vous avez envie. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche et vous savez tout ce qu'il y a à faire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao les makers.